Salut à tous, c'est Baïsanka, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Je vais vous présenter un nouveau véhicule sur PC, donc c'est un mod, et c'est la Radical RXC Turbo qui est vraiment magnifique. Regardez, il y en a plusieurs derrière moi. Donc dans un premier temps on va faire le tour du véhicule et ensuite on va aller au LS Custom pour le modifier, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, elles ne sont pas toutes pareilles. Donc c'est parti, on va commencer le petit tour du véhicule. Regardez, franchement la gueule du, elle est magnifique. Si on pourrait faire des courses avec des voitures comme ça sur GTA, je pense qu'on aurait vraiment tous le moral. Regardez ça, franchement, vraiment magnifique. Toute petite, avec des belles petites formes comme ça, plein d'aération. Regardez les jantes, elles sont magnifiques. Je pense, attendez, je vais prendre un... Je vais juste me donner des armes et je vais viser avec le sniper. Je pense qu'on verra un peu mieux. Hop là. Regardez ces jantes. Franchement, elles sont magnifiques. Même les pneus comme ça, avec toutes les écritures comme ça, c'est vraiment stylé. Petit pneu Pirelli. Hop, on peut voir le nom de du véhicule sur le côté, Radical, sur une plaque de carbone comme ça, franchement vraiment vraiment stylé. Regarde à l'arrière, elle est vraiment toute basse. Franchement elle est magnifique. On dirait un peu les feux de la Skyline comme ça. Hop, on va. Petite porte qui s'ouvre comme ça. Le seul petit défaut on va dire, regardez. Et concentrez-vous sur le véhicule et pas sur autre chose s'il vous plaît. C'est quand je monte dans la voiture, regardez, malheureusement. C'est juste la petite action là qui est un peu mal faite, sinon franchement le reste est vraiment bien fait. Donc on va se mettre à la vue à la première personne. Au niveau du volant, franchement ça va, c'est bien fait. L'intérieur est pas dégueulasse. Quand on accélère le compteur là il marche, pareil, regardez les boutons là, les... Ah, c'est vraiment chouette, franchement il y a tout qui a l'air de fonctionner. Attendez, je sors vite fait. Pour essayer de vous montrer l'intérieur au snipe. Voilà, on va se mettre comme ça. Regardez l'intérieur rapidement. Pas beaucoup d'options, hein, mais bon, c'est pas une voiture de luxe. Une voiture de course, les gars. On a quand même le dégivrage et tout, j'ai envie de te dire. Hein. Bon, c'est une voiture, les gars, elle est... Comment dire, elle est... On peut rouler sur la route, elle est homologuée. Hein. Il y a déjà eu plusieurs exemplaires qui ont été vendus, donc je vais me rendre au... On va regarder vite fait ceux qui sont à côté. Ensuite, je vais prendre le véhicule, je vais me rendre au LS Custom et du coup, je vais vous donner quelques petites informations sur le véhicule que j'ai pu trouver sur le net. Comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-unes qui ont été équipées déjà avec le menu et quelques-unes non. Donc on peut voir l'aileron ici un peu plus haut, les vitres teintées et tout. Allez, on va se rendre au LS Custom, c'est parti. Donc la Radical RXC Turbo, les mecs. Franchement, un véhicule magnifique. Je vais juste me mettre en première personne pour regarder un peu le compteur qui fonctionne et tout. Un beau bruit. Ah, franchement, elle est stylée. Hein. La Rockstar, vous attendez quoi, bordel? Attends, on a l'air d'être tout bas dans la voiture, regarde. Si je me mets à côté de la moto, là, on est tout bas. À hauteur de son cul. Ouais. Ah, attendez, je me remets comme ça. On va essayer d'aller au LS Custom par ici, là, rapidement. Donc au niveau des... Je vais passer par ici, on va essayer de pas l'abîmer. Ah, j'aurais dû faire un saut, ça passe pas sinon. Ouais, le camion comme par hasard, bon, on va aller là-haut, ça sera plus simple. Donc ce véhicule les gars, dans ce véhicule il y a un V6 3.5 litres biturbo. Ça fait mal, ça fait très très mal, 460 chevaux. Putain, je lis, je regarde, du coup je me prends un poteau quoi. Donc elle va de 0 à 100 en 2 secondes 6, ce qui est vraiment énorme. Et elle monte à pratiquement 300 km/h, 296 km/h, ce qui est vraiment énorme. Voilà, donc petit souci, je suis de retour. Donc elle monte à 296 km/h, ce qui est vraiment énorme comparé à son... Ah, tu vas me dire que je peux pas... Ah, je suis dégoûté. Attendez, bougez pas, je vais voir si ça fonctionne. C'est parce que j'avais pris un personnage qui n'est pas du jeu. Du coup, je peux pas rentrer dans le LS Custom. Ce qui est assez chiant, on va changer rapidement. Attends, voir, bouge pas. Bah, ils sont où les. Ah, voilà. Et normalement, là, je devrais pouvoir rentrer dans le LS Custom. Et voilà, donc si jamais vous avez des petits soucis, les mecs, vous saurez pourquoi. Regardez, RX Turbo, super sportif, vous voyez, donc c'est vraiment un mode bien travaillé, c'est un add-on. Donc c'est vraiment le véhicule complet dans le jeu. On va pouvoir mettre le blindage au niveau des freins à fond. Le moteur pareil à fond. Les échappements, regardez. Je vais accélérer pour qu'on puisse voir. Ça n'a pas l'air de vouloir accélérer.
voyez? On voit même le... Regardez les tubes dans le fond qui changent. Franchement, vraiment propre. Allez, échappement en bout chromé. Ligne chromée complète. Les éclairages. Alors, les phares. Ouais, ça fonctionne, les gars. Tout fonctionne et c'est ça qui est beau. On va pas mettre de néon dessus, je pense. Au niveau de la plaque, j'avais pas vu. Ouais, j'ai pas vu de plaque. C'est bien ce que je me disais. Peinture. Donc, peinture, on va la mettre comment? Regardez ça, franchement. Ah, je kiffe quand les... Quand les véhicules modés ils sont bien faits comme ça, tu peux le custom et tout, magnifique. On va mettre quoi comme couleur dessus? On met de l'or? En or comme ça? Oh là là, elle est belle quand même, non? Franchement, ça fait joli. Hein. Allez, allez, on va faire les dingues. Plus l'or en histoire, il coûte pas cher. L'aileron, regardez. Bam! Vous voyez la diff? Ah, par contre, du coup, il me remet plus l'ancien. Mort de rire. On va mettre le grand. Transmission à fond. On peut changer quoi? Turbo. Il y a d'autres choses qu'on peut changer. Oh, on peut changer les roues. Mais les roues d'origine sont vraiment magnifiques. Même pas j'y touche. Les fenêtres. On va pouvoir teinter rapidement les fenêtres. Regardez. Et quand on teinte les fenêtres, ça teinte aussi les feux. Vous voyez, c'est un peu dommage. Regardez devant. Du coup, c'est tout teint comme ça. Franchement, ça fait un petit genre. Avec l'or en plus comme ça, c'est magnifique. Vous voyez, on peut pas modifier, y a pas de pare-choc, hein, on peut pas modifier les pare-chocs et tout, mais on peut modifier quelques petits détails. Et ça fait plaisir de... Attends, je vais juste voir s'il n'y a pas une peinture secondaire. C'est quoi du coup la peinture secondaire? Ah, il n'y en a pas. Ah si, attends voir. Ah, c'est les genre les barres de renfort dedans, là, on dirait. On va mettre ça en blanc. Ouais, qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a rien d'autre qui change, là, sinon... Pas qu'on ait loupé quelque chose, non je pense pas, les petits logos RXC là ils bougent pas. Bon bah y'a rien d'autre qui change, eh, franchement elle est pas mal comme ça en or, hein. Elle est magnifique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un véhicule donc, que vous pouvez acheter dans la vraie vie, hein. Il s'en est déjà vendu donc en Thaïlande, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne et encore en France. Et elle a été affichée donc au Royaume-Uni à 155 000 €. Donc, franchement c'est un beau prix. Mais quand vous voyez la gueule du véhicule, je pensais qu'elle valait quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Non, franchement, quand vous la voyez comme ça, dites-moi un prix dans les commentaires. Bon, maintenant, je vous l'ai dit, c'est peut-être pas très intelligent, mais quand vous l'avez vu, vous pensiez à quel prix, par exemple? Franchement, moi, je pensais pas à 155 000 $. Enfin, 155 000 €. 129 000 livres, 155 000 €. Allez, on va faire un petit tour, voir comment ça roule. Franchement, ça a l'air d'avoir assez de patates. Une bonne vitesse, ça se roule vachement bien, ça tourne pas mal. Franchement, pour des courses, ça aurait été magnifique. Là, ça freine vraiment bien en plus. J'ai été le custom, j'ai mis les freins au max. On va essayer d'aller sur l'autre. Attends, on va aller sur le bord de la plage là-haut, à droite. Ah ouais, par contre, ça glisse pas mal. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir sur l'autoroute à combien on peut monter. On va se remettre vite fait en vue. Ouais, par contre, je vois plus rien avec les vitres teintées. Putain, elle a un beau bruit à l'intérieur. Hein. Doucement, doucement, voilà, alors on a cassé notre voiture. Une voiture à 155 000 $ là, plus encore 1 million pour la mettre en or, on va de la rayer. Ah, franchement, elle se roule bien. Je dis ça, j'ai envie de faire dans tous les sens. Et j'ai vu des véhicules modés qui étaient encore plus galères à se contrôler, quoi. On va essayer de se mettre là-haut. Le problème, c'est qu'elle est puissante. Je pense que sur la route là, ça va être assez facile à contrôler. Allez, c'est parti. Alors, jusqu'à combien on arrive? Je le compteur en bas à droite. On va voir si ça monte vraiment à ces 296 km/h là. Ouais, franchement, elle se roule bien. Ouais, 296, je pense pas que j'y arriverai. Puis c'est plein de virages. Là, elle bloque à 245, on dirait. Non? Même dans les lignes droites, j'arrive pas à aller au-dessus de 245. Ah bon, c'est quand même déjà une bonne vitesse, hein. Et puis voilà, les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette présentation et que ce véhicule vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait, comme je l'ai dit. À donner vos ressentis donc dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.